Yallo sans tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau like ou dislike. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'une chaîne que j'aime bien. Et aujourd'hui, je vais parler de la vidéo sur le plagiat de Paradox. J'aime bien cette chaîne car il y a du contenu de qualité qui nous pousse à nous intéresser à certaines choses et qui, dans chacune de ces vidéos, il y a forcément 99% du temps, on va dire, une chose que je ne savais pas, donc ils m'apprennent toujours en moins une chose. Il y a du grand travail, beaucoup de recherches, du montage de qualité. On peut voir tout le travail qu'ils peuvent donner régulièrement. Il y a des lives sur le montage ou même sur l'enregistrement sur la chaîne de Clidéon. Donc on a la preuve même de tout leur travail si certains en doutaient. Et il y a surtout une vidéo par jour, ce qui est un rythme incroyable pour du travail donné comme ça. Donc déjà un grand merci et un grand bravo à toute la team, que ce soit ceux qui sont au montage, à la voix, ou ceux qui sont à la recherche. Il y a toute une team Paradox à laquelle je dis bravo. Et ben, à vrai dire, et pour l'instant, il n'y a aucune vidéo que je dislike de la chaîne Paradox. Et celle-ci, c'est un grand oui. Donc le commentaire vidéo. Effectivement, c'est très dur d'avoir un bonjour, une phrase de bonjour qui est originale, qui n'est pas déjà vue, qui n'est pas du repompage. Et effectivement, quand on a été habitué à quelque chose, à faire quelque chose, c'est différent. C'est un peu compliqué. Après, je comprends ceux qui veulent crier au plagiat. Je comprends aussi qu'ils n'ont rien compris au plagiat. Donc voilà, moi je sais que j'ai la chance. Je ne connais pas d'autres youtubeurs qui disent y a l'océan comme bonjour. Il faut savoir que je dis pas y a l'océan par hasard, il y a une vraie réflexion derrière. Mais ça, ce n'est pas pour cette vidéo. Ensuite, effectivement, j'aime bien la façon dont Telia qui parlait du plagiat et même du repompage et du volage. Du vol plutôt, volage ça n'existe pas dans ces conditions. Donc du vol des vidéos. Effectivement, dans ces moments-là, faut intervenir. Mais j'attends que les voitures passent. Effectivement, dans les moments dont parle Telia, c'est même du vol, comme elle le dit. Le plagiat, ce serait qu'il n'y ait pas de travail, effectivement, derrière. Ensuite, les gibilles. Je crois qu'ils ont tout dit. Donc je suis 100% d'accord avec eux. J'avais déjà laissé un commentaire sous leur vidéo. Donc je vous affiche. Normalement, je vous l'affichais par là. Pour éviter de cacher ma tête. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Pas grand-chose. Mis à part que voilà, que j'adore cette chaîne. N'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner. Ne serait-ce que je leur apporte 2 abonnés, ce serait déjà pas mal à mon niveau. C'est une chaîne que j'adore. Je vous soutiens sur la route des 10K. Je vous soutiens sur la route des 10K et sachant que je vous soutiens sur la route des 100K, sur la route du million. Et j'espère même encore plus, car effectivement, vous faites un travail de dingue. Vous méritez plus. Je vais changer un peu d'endroit parce que là, je suis pas très loin de la route. Et on entend pas mal de voitures. Désolé, j'avais coupé sans faire exprès. Bon, je pense que cette fois-ci, après leur vidéo, vous n'avez plus de raison de crier au plagiat. Bon, et n'oubliez pas l'abonnement, le like, le commentaire, les réseaux sociaux de leur chaîne. Et puis moi, je vous dis
À très vite, à mon avis, mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Maîtresse, il y a Nathan qui plagie sur Hachette!